un portrait qui s'appelle Le concierge. Au carreau de sa cuisine, lui qui gueule sur des enfants qui chantonnent des comptines en riant négligemment, la bouche pleine de tartines. Rabat-joie aux serres bougons, il s'acharne à déloger le clochard du paillasson qui squatte en battant l'entrée. Il le traite de tous les noms en le chassant à coups de pied avec toute l'approbation du voisinage excédé. Mi-concierge, moitié flic, porte-voix des proprios, y'en a qui lui filent du fric et lui prêtent en faire son boulot. La 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 la. Il contrôle le mode de vie l'occupant de la chambre de bonne, c'est ainsi qu'il le qualifie. Puis posté dedans sa loge, il surveille les faéfiens. De surcroît, il interroge et prend note dans un calepin. Mi-concierge, moitié flic, porte-voix des proprios, y'en a qui lui file du fric et lui prétend faire son boulot. La 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 la. Enquête s'est présenté un gamin. Il a claqué sur sa tête un pétard gros comme le poing. Prisonnier de sa fonction, comme un chien tenu en laisse, il grognait sur l'avorton qui chantait en montrant ses fesses. Mes concierges, moitié flic, porte-voix des proprios, y'en a qui lui file du fric et lui prête en faire son boulot. La 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 la